J'espère que vous allez bien l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo. Alors non, la chaîne va pas se convertir en Fortnite. Mais c'est juste qu'en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué. Je sais pas si vous avez remarqué, on dirait que je pars en vidéo podcast. Non mais voilà, vous avez vu que sur YouTube en ce moment, des vidéos Fortnite, il y en a et à foison franchement. Et je me suis dit, faudrait que je trouve un concept qui lie le football et Fortnite justement. Étant donné que Fortnite joue aussi beaucoup les amis, pour preuve, regarde. Là je suis en train de vous tourner une vidéo entre deux parties, je vous jure, j'arrête pas d'y jouer, ce jeu c'est une putain de drogue. Et donc je me suis dit aujourd'hui l'équipe, on va voir les footballeurs qui ont réalisé des célébrations qui sont ressemblantes à celles qu'il y a dans Fortnite justement. Et pour commencer, j'ai pas cherché très loin les amis, puisque si je vous parle du dab, ah ouais, forcément un truc qui vous donne des envies de meurtre rien qu'à en parler, puisque je pense que vous en avez ras le cul de voir ce fameux dab. Mais bon, forcément, quand on parle de dab sur Fortnite, dans le football c'est Pogba qui vient direct en premier. La danse robot sur Fortnite, est-ce qu'elle vous rappelle un joueur en particulier sur la planète foot? Je pense forcément à la spéciale Peter Crouch et sa fameuse célébration. Pire imitation ever, mais tu m'as compris. Ce geste, il vous rappelle sûrement quelque chose, le Saltbae, forcément, il a fait tellement de bruit durant l'année 2017 sur les réseaux que forcément Fortnite et les développeurs ont décidé de le mettre. Et dans le foot, je pense que j'ai pas besoin de vous rappeler que pas mal de footballeurs l'ont fait cette célébration, Payet, Doria, les joueurs du Bayer Leverkusen, et j'en passe. J'avoue, il était facile celui-là, mais bon, fallait bien combler le top 10, l'équipe, vous m'en voudrez pas. Ouais, même ce truc a été fait par un footballeur, je pensais pas moi non plus, tu vois, mais ouais, ça a bel et bien été le cas. Tu sais pas trop comment le mec peut avoir cette idée là en faisant une célébration, mais il l'a quand même fait. En termes de célébration l'équipe, si je vous dis Gareth Bale, Angel Di Maria, je pense que vous arrivez à relier ces deux mecs étant donné que ces deux joueurs justement ont deux célébrations identiques. Le fameux cœur, ouais forcément, le petit cœur de Di Maria qui fait très souvent quand il marque, et Gareth Bale, c'était pareil avec le Real. Bon là ça fait un moment qu'il a pas marqué puisque il se retrouve au même poste que Ben Arfa avec le PSG. Dans Fortnite, tu peux te permettre de mettre des célébrations, des danses totalement chelou, tu vois, c'est qu'un jeu, mais en réalité, dans le foot, franchement, en termes de célébrations bizarres, je crois que c'est la mieux classée. Franchement, il n'y a aucun mot pour décrire ce qu'il va faire, le mec. Le verre qui rampe au sol. Celle-là, je suis sûr que pour ceux qui jouent à Fortnite, vous la faites très très souvent pour troll vos adversaires. Parce que moi, je vais pas vous mentir, quand je me fais tuer, quand je suis à terre, t'as un mec qui l'a fait, ça me rend dingue. Et même dans le foot, figurez-vous que t'as des mecs qui ont osé faire ça. Ouais, ils ont vraiment osé. Mais t'as aussi un autre truc les mecs sur Fortnite qui rend dingue, et notamment en section, c'est quand t'es à terre en PLS et que t'as tes adversaires qui te finissent à la pioche. Ouais ça rend dingue, et même dans le foot, t'as des mecs qui ont reproduit cette célébration, je pense que vous l'avez vu dans une précédente vidéo.
Mais sur Fortnite, les mecs, forcément, c'est bien de faire des kills, mais c'est également très très important la construction, non? Enfin bref, voilà voilà l'équipe, cette petite vidéo sur les célébrations équivalentes à celles dans Fortnite est désormais terminée. J'espère vraiment que vous l'aurez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher un max de pouces bleus. Vous me direz en commentaire d'autres célébrations dans le foot qui sont également dans Fortnite et que je n'ai pas mis dans cette vidéo, puisque pourquoi pas une autre vidéo si ça vous a plu bien évidemment. Vous me direz en commentaire si vous êtes nombreux à jouer à Fortnite, bon j'imagine puisque c'est un petit peu le jeu du moment et tout le monde y joue, même moi. Mais voilà, vous me direz tout ça en commentaire, vous me direz aussi, tiens par la même occasion, quelle célébration a été la mieux réalisée on va dire parmi toutes celles que j'ai mises dans cette vidéo. Et donc d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lex. Ciao.